Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel sur Call of Duty Black Ops 3 Zombie Chronicles sur la map Shinonuma. Donc un tutoriel pour faire le secret, réussir le secret, non le trophée, excusez-moi, c'est un piège. Donc le trophée c'est un piège, ça consiste à tuer 3 zombies dans une seule manche avec 3 pièges différents. Donc, vous pouvez tuer 10 zombies avec un piège, 10 zombies avec un autre et 10 zombies avec un autre piège. C'est pareil, il vous faut au moins 3 zombies de chaque piège, donc de 3 pièges différents. Alors ce que je vous conseille, c'est d'au moins aller à la manche 7, de faire un maximum de points et de faire des kills assez. Donc là par exemple, là je vais faire un kill. Hop. Voilà. Donc là j'en ai fait un, donc là je me casse, hein. Si je continue par là, tout simplement tous les zombies de la vague vont mourir. Donc là je me casse, je vais chercher un autre piège. Alors aussi il faut savoir que si vous êtes à plusieurs, il faut que chaque personne fasse son propre kill. Donc il faut qu'il paye le piège. S'il paye pas le piège, ça ne lui comptabilisera pas, tout simplement. Donc là il y a un piège ici, donc je connais pas les pièges par cœur. Ah si, là il y a un piège là. C'est quoi? Ah, c'est un truc électrique. Donc là, on va en tuer un. Voilà, maintenant on se casse. Donc là, on a déjà fait deux pièges, hein. Donc je répète que si vous êtes à plusieurs, chacun doit faire ses pièges. Voilà. Et ça doit se faire en une seule manche, hein. On ne doit pas passer la manche. C'est pour ça que je vous dis d'aller à la manche 7. C'est bien ça, la manche 7. Donc je pense que par là, il y en a encore un. Donc je crois qu'il n'y a que 3 pièges dans la map, mais je ne suis pas sûr. Alors on va voir s'il y en a un ici. Ouais, là il y en a un. Activer le piège. Ah ben c'est encore un piège électrique. On va repasser. Voilà. Normalement le trophée va pas tarder à arriver. Ben voilà, c'est bon. J'ai obtenu le trophée, c'est un piège. Donc voilà. C'est aussi simple que ça les amis. Il n'y a rien de difficile. C'est juste que faut le savoir où sont les pièges. Donc là je pense que vous. Donc là c'est simple. Il y en a un ici. Donc ici c'est où ça? C'est le fishing hut. Donc on va attendre, je vais vous montrer. C'est où? Donc c'est la maison qui est en feu. La petite cabane qui est en feu. Donc là-bas il y a un piège. Ici il y a un piège. Donc ça fait deux. Et le troisième piège, c'est près du Docteur Room. Ouais, c'est ça. Docteur Quartier. Donc c'est par là. Un piège électrique encore. Et je crois qu'il n'y en a pas d'autres nulle part. Donc voilà, hein, je pense que là il n'y en a pas. Hein. Vous croyez qu'il y en a un? Bon, je vais quand même aller voir. Parce que ça m'intrigue. Je veux voir si il y a plusieurs pièges ou pas. Là. Bah en fait, ouais, il y a des pièges partout en fait. Hein. Regardez, à chaque entrée de porte, il y a des pièges. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué à ce trophée. C'est juste qu'il vous faut au moins de l'argent. Un minimum de 10 000 points. Et voilà, tout simplement avoir des zombies assez en suffisant pour pouvoir faire les 3 kills et les 3 pièges. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao, peace.